Allez, on se retrouve pour le premier boss de la quatrième aile de Black Rock Mountain. On affronte trois Urgors et ses œufs corrompus. Et on va prendre un dray et on va prendre, pardon, un deck prêtre. Donc Razorgore, lui, son pouvoir héroïque, c'est pour 0 de mana. Il donne un point de vie supplémentaire aux œufs corrompus et en invoque un autre. Donc il commence avec un seul œuf. Alors je choisis mes cartes avant, voilà, hop. Il commence avec un œuf et donc à chaque fois que ce sera son tour, il va lui donner un point de vie supplémentaire et invoquer un autre. Et quand un œuf arrive avec 5 points de vie, il va éclore et on aura un 7-7. Donc il faut des sorts pour tuer ses œufs, il faut du silence, il faut du sort pour tuer des 7-7 ou alors des serviteurs qui tuent des 7-7. Il faut si possible voler des œufs, c'est encore mieux. J'espère qu'il va pas me tuer le cléric. Super. Change your mind.
Bon, ça s'est plutôt bien passé, on va aller voir le deck. Même si on a vu pas mal de cartes. Donc le prêtre, ça marche bien. On peut imaginer d'autres héros comme le paladin. Le paladin marche assez bien aussi. Donc les cartes du deck. Donc deux cercles de soins. Donc pas mal pour déjà soigner vos propres serviteurs. Ou alors à combiner avec l'Okenai Soul Priest pour nettoyer plateau. Des silences quand même si on a peur qu'il récupère un 7-7. Light of the Now, c'est toujours une carte géniale. Et là on l'a vu, bon là ça n'a pas été hyper utile dans cette partie, mais je trouve que dans un deck prêtre c'est vraiment une carte indispensable. Shadow World Pain pour tuer les œufs rapidement. L'alchimiste aussi pour tuer un œuf. Shadow World Death et le chasseur de gros gibier pour tuer ses gros serviteurs. Mind Control Tech pour lui piquer un serviteur. Et si on lui pique un œuf qui n'est pas réduit au silence, c'est encore mieux. Si jamais on n'a pas de chance dans le tirage des cartes, mais c'est quand même. C'est peu probable, on peut toujours utiliser Light Bomb pour tout nettoyer. Voilà, et ben c'était le premier boss de la 4ème L en mode héroïque. Et on va s'attaquer dans la vidéo suivante au prochain. À tout de suite.